One love, c'est Dada pour toi et toi. Je pense que tout le monde a entendu parler de la loi contre les séparatismes dont nous avait parlé Macron un peu avant son discours de fin d'année, comme quoi il souhaitait faire une loi complètement anticonstitutionnelle. En ce qui concerne l'article 21 de cette loi contre les séparatismes qu'ils ont transformé en renforcement de la République ou je sais pas quoi là, un nom dans le genre. Et en fait, ça consiste à... Parce que le mec, il s'est mis dans la tête que les gens qui font l'IEF, c'est-à-dire l'instruction à la maison, hein, l'école à la maison, à la base, ça se faisait sur une simple déclaration. Et Monsieur Macron, là, avec tout son gouvernement, son exécutif, comme ils disent, hein, ils exécutent, hein, tu vois. Ils ont décidé que, comme ça, que genre ce serait que les gamins qui feraient l'école à la maison seraient des musulmans extrémistes, pour beaucoup, qu'ils iraient dans des écoles musulmanes où il n'y a pas de fenêtres, où ils sont accueillis par des femmes en hijab ou des trucs comme ça. Tu vois, bah, bref, le truc que tu vois jamais dans la réalité, quoi. Bon, déjà, d'une, pourquoi s'en prendre aux musulmans? Certes, il y a des écoles musulmanes, mais il y a des écoles juives, il y a des écoles catholiques, il y a des écoles protestantes, il y a des tas d'écoles privées. Il y a même un député qui a dit que oui, c'est l'école privée, le séparatisme. Donc ils ont fait l'article 21 dans cette loi. Il y a plus d'une centaine d'articles. Et les parents, les gens qui font l'IEF et des gens qui... affiliés, on va dire, ne sont pas contents et c'est normal. Et ça fait longtemps, depuis qu'ils sont au courant de cette loi-là, ils manifestent pour que cette loi-là ne soit pas votée. Mais le problème, c'est que l'article 21 a été adopté il y a 2 jours. 2 jours, bon, tout dépend à l'heure où... Et quand vous regardez cette vidéo, parce que peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, ben, ce sera déjà passé, peut-être. Et là, nous sommes le samedi 13 février. Et donc, cet après-midi à Nîmes, je vais aller faire mon journaliste. Parce que maintenant, il ne s'agit plus d'empêcher qu'ils adoptent l'article 21, il s'agit qu'ils le retirent. Et donc voilà le pourquoi du comment de la manif de cet après-midi. Donc ici à Nîmes, ce sera à 14h devant la préfecture. De la préfecture. Il y aura une marche jusqu'à l'esplanade, hein, c'est à côté. Et sur l'esplanade, il y aura des animations musicales, des jeux pour les enfants, dont des courses de sacs. Ça va être assez marrant. Donc moi, j'y vais. Je vais faire le journaliste. Je vais interviewer des gens. Je vais filmer quelques événements de la manif. La manif étant un événement en lui-même, en elle-même, pardon. Et je vais donc faire un micro-trottoir. Et voilà, donc venez nombreux, même si vous ne faites pas l'IUF. Parce que là, le truc, c'est que, à moins que ce soit techniquement pas possible, eh ben, il va falloir aller à l'école, quoi. Ceux qui font déjà l'IUF ont jusqu'à 2024. Ceux qui ne sont pas déjà dans l'IUF, ah bah, il va falloir des autorisations très dures à avoir parce que c'est-à-dire que ce soit pour des motifs politiques, religieux, philosophiques, ce ne sera pas possible. Et sauf si, voilà, si tu as des dérogations spéciales, genre si ton gamin il pratique un sport intensif, si ton gamin a un handicap ou une maladie quelconque, si géographiquement le déplacement jusqu'à l'école est dur ou trop loin,
Et si tu apprends de la musique intensivement, voilà, et c'est tout. Sinon, si tu te dis, ouais, c'est mieux, si mon gamin il va pas à l'école, il va apprendre plus vite, il va apprendre mieux, parce qu'il sera dans un cadre, il va pas bosser, être assis là pendant 8 heures par jour, hein, avec un masque sur le nez, machin. Eh ben, tout ça, ce ne sera plus possible. Si on ne fait rien, et si on ne fait rien, ben on a perdu quoi. Faut faire quelque chose. Après, je ne pense pas qu'une manif en soi soit une solution. Il y a d'autres formes de lutte, mais c'est déjà ça. Alors je vous dis, one love, et pour les gens qui sont anonymes, à tout à l'heure.